On a développé un test en 74 jours, ce qui représente à mon avis un record toute catégorie. Entre le moment où l'idée a germé de travailler sur ce test et de l'adapter et le moment où on est arrivé en production, il s'est écoulé à peine 2 mois. Lorsqu'on a commencé nos essais, on l'a fait tester à des collègues cliniciens pour avoir un petit peu des résultats en vie réelle à l'hôpital. Et quand le test s'est révélé efficace, les cliniciens nous ont dit « mais on en veut tout de suite, comment est-ce qu'on peut l'acheter ?» etc. Donc on a vu tout de suite le besoin sur le terrain et on a compris qu'il fallait qu'on soit en mesure de produire assez rapidement. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué de savoir combien on va faire de tests, mais clairement, il y a une demande de plusieurs centaines de millions de tests autour du monde. On voit que la demande est croissante, donc il est évident qu'on fait partie des quelques fabricants qui ont amené sur le terrain des tests qui vont avoir une utilité pour le suivi de la pandémie. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.